Salut, petit gars. T'as faim? C'est ça? Oh, merde. Hé, n'aie pas peur. C'est bien. Allez. T'es chou. Cool. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Chris, est-ce que t'es là? Pas dans le sac quand même. Eh ben, oh,
Regardez-moi ça. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Chris ? Sam, t'as pu venir ? Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où ? Juste à côté. Tu vas halluciner. Non, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tous mes revenus ont deux Tada secondes. Ça le fait, non? Ouais. Quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux essayer ? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Joli tir. Et regarde-moi ça. Oh. Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hey, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Ça doit être dur pour Josh. Je sais pas comment il fait pour tenir le coup. Moi, je serai en vrac. Bon, il faudra qu'on garde un œil sur lui. Ça doit être horrible, tout ça. Et il a pas l'air d'être du genre à demander de l'aide quand il en a besoin, tu vois. Ouais. Oh la vache, regarde ça. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah, mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici.
Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça ? Quels gens ? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi ? Oh, un vrai gentleman. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Enfin, on y va ? Ouais, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y ! L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? J'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon. Tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Oh ! C'est quoi ça ? Jess ! Hey ! Jessica, par ici ! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ?
On est coincé dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle, ici. Ouais, bien sûr, hein. Hop là. Hé hey. Eh bien, qu'avons-nous Chris là? Chris. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire... peu importe. On verra. Sam? Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ah! Putain, mec! Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, tu vas devoir t'y faire. Émilie et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Et je vais pas te le répéter. Est-ce qu'on se comprend bien? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... bon, d'accord. Mike. Non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Être plus mature et me démerder par moi-même. À plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Merde! Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre, on y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid, il
la nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé, j'essaie juste d'être serviable. Bon, bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ok. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. À toute. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah ! Oh putain ! Bordel ! Désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je vais pas te faire peur. Bon sang, Matt. Ouais, ben... Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, eh ben... Non, mais désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde! Vraiment, Émilie? C'est quoi ce bordel? Hey, écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein? Je sais pas... Oh, fais chier! Matt! Faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Oh, c'est pas très gentil, ça. Zing! Ah, merde. Va falloir faire mieux que ça, mon grand. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette? Oh, Emile. Hey. Et bim. Oh. Y a quelqu'un? Allez. Hey, Mike. Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué. Okay. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Je
je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre ? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame ? Oh ! Oh, oh, ok. Ok, toi, tu vas être puni. Puni comment ? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais ? Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, hein ? Oui. Êtes-vous resté en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois, comme convenu ? Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus.
vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les serpents, les zombies, les loups. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ah, je regrette, la session touche à sa fin, mais... je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va, elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Non! Merde! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde! Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. La montagne grandit à chaque fois que j'y gratte. Ah ouais? Bah ça me fait ça aussi. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé? Ouais. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a? Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste.
Salut, Ash. Salut, Chris. Alors, comment tu vas ? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal.